Simplement démontre que tu as foi en Dieu. Ce n'est pas parce que tout va dans ta vie, malgré les problèmes, tu es là. Vous voyez un peu la contradiction. Malgré les problèmes, tu es là. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. That's the strength of a child of God. Et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. The Lord bless each one of us. We're gonna take our Bible. Et nous allons lire un psaume. I'm going to read in the book of Psalms. Nous avons intercédé. We're going to intercede. Nous avons intercédé. Maintenant, nous allons entrer dans l'adoration. Now we're going to worship God. Et là où tu es debout, tu vas prendre ta Bible. You're going to take your Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux. Bon, ok. Avec le corona, on ne peut pas aller avec le voisin. Mais bon, il faut simplement écouter. Amen. Nous allons prendre le psaume 150. We're reading the book of Psalms 150. C'est un psaume que nous connaissons tous. It's one that we all know. Ce psaume nous montre que nous devons célébrer l'Éternel. It's a psalm that we have to celebrate the Lord. Ce que nous avons déjà commencé à faire. But we have already started. Je vais lire le premier verset. I'll read the first verse. Et on va continuer avec le deuxième ainsi de suite. And we'll follow the second and so on. Je lis au nom de Jésus. Read in the name of Jesus. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Praise him with tambourines and dancing. Praise him with the strings and pipe. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons répéter le dernier verset parce que c'est là que nous allons nous attarder. That's where we're gonna remain on. C'est là que notre adoration va s'inspirer ce soir. That's where our worship will be inspired by. On lit encore le dernier verset read ensemble. The last verse, verse 6, together. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Can we clap for the Lord? Alléluia. Donc on loue tout ce qui respire, loue l'Éternel. Everything that has breath, praise the Lord. Et nous respirons. And we are breathing. Les arbres respirent. We are breathing. Les arbres respirent. The trees are breathing. Ils ont leur manière d'adorer l'Éternel. They have their way of worshiping God. Les animaux respirent. Everyone's breathing. Ils ont leur manière d'adorer l'Éternel. The animals are breathing. They have their own way of worshiping the Lord. Tout ce qui respire. Everything that is breathing. Loue l'Éternel. Praise the Lord. Mais nous avons un privilège d'appartenir à ce royaume-là. We have that privilege to be part of that royalty. Dieu n'est pas simplement un Dieu pour nous. God is not just a God for us. Mais il est notre papa. But he's our father. Parce que la Bible dit quand vous priez, dites notre Père. We need to say our Father. Alléluia. Amen. Or nous qui sommes les hommes, as we are human, si nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants, if we can give good things to our children, à plus forte raison, how much more notre Père, to our Father, créateur des cieux, the creator of heaven and earth. C'est ce Dieu-là que nous allons louer. Ce That's the God that we're going to worship this afternoon. Et là où tu es, tu vas regarder. Where you are, you're going to look. Pas tes situations. Not on your situation. Mais la grandeur de ce Dieu-là. But the greatness of that God in your situation. Tu vas regarder pas ta maladie. You're not going to look at your sickness. Mais la grandeur et l'élévation de Yahweh. And the elevation of Yahweh, Père, your Father, dans cette maladie. In that sickness.
Et cela va te donner l'opportunité de that will give you the opportunity for you to worship God. Et pendant qu'un cantique d'adoration passe, and while there's a song of worship, nous allons tous nous prosterner devant la face. We all want to bow down before the face of God et adorer and worship Him. Oh yes. Hallelujah. Jesus, combo. Thank you.
your God. Lift up your voice and worship your God. Lift up your voice and worship God. Lift up your voice and worship God. Lift up your voice and worship God. The one that has loved you before everything and everyone else. Élève la voix et adore Dieu. Élève la voix et adore Dieu. Alléluia. Éternel Père, sois élevé sur toi, papa. Éternel Père, nous voulons te donner des multiples actions de grâce, au Père. En nous voulons, Éternel Père, reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu, papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Éternel Père. Il n'y a pas de Dieu, Éternel Père, qui peut s'égaler à toi, papa. Éternel Père, tu es le Dieu bon, Seigneur. Tu es bon pour nos vies, Seigneur. À ce soir, nous voulons reconnaître, Seigneur, ta Seigneurie, papa. Nous voulons, Éternel Père, déclarer, papa, que tu es notre appui, Seigneur. Nous voulons, Éternel Père, te dire, Seigneur, que nous t'aimons, papa. Nous savons que tu nous as aimés avant toutes choses, Seigneur. Tu es celui-là, Éternel Père, tu nous as donné la vérité, Seigneur. Si nous avons la vie, c'est pas ta grâce, oh Père. Nous avons la santé, c'est pas ta grâce, oh Père. Si nous avons, Éternel Père, la vie, c'est pas ta grâce, oh Papa. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, oh Père. Ce soir, nous voulons, Yahweh, Éternel Père, te donner toute la majesté, papa. Nous voulons, Yahweh, Éternel Père, te donner toute la gloire, papa. Le Dieu Éternel Père, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, papa. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Éternel Père, que la majesté te revienne, papa. Pour nos maisons, Seigneur. Pour nos vies, papa. Nous reconnaissons que tu es Dieu, papa. Nous reconnaissons que tu es Éternel Père, l'absolu, papa. Et que la gloire te revienne, papa. Et que la majesté te revienne, papa. Yahweh, ce soir nous voulons Éternel Père, nous prosterner devant toi, Seigneur, reconnaître papa l'immensité de ta grandeur, Seigneur, reconnaître papa que tu es le Dieu, papa. Éternel Père, tu nous as donné la force, Père. Yahweh, Éternel Père, tu es celui-là qui n'a jamais échoué, papa. Tu es le Dieu, Éternel Père, le vainqueur des nations, papa. Yahweh, Éternel Père, tous ceux-là qui t'ont croisé, papa, soit qui se sont convertis, papa. Éternel Père, où soit ton Seigneur, ils ont fui le débat, papa. Éternel Père, tu n'es pas un petit Dieu, Seigneur. Éternel Père, les royaumes, mon papa, tous les systèmes du monde sont dans les creux de ta main, papa. Éternel Père, ce soir, nous voulons te reconnaître, Seigneur, et comme le Dieu grand, fort, puissant, autorité, papa. Il n'y a aucune domination, il n'y a aucune principauté, il n'y a aucune, Éternel Père, aucun esprit dans les lieux, dans le ciel, papa. Éternel Père, qui est capable, papa, de pouvoir, Éternel Père, ce soir, Seigneur, fais ce que tu fais, papa. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te magnifier, papa. Hosanna à toi, Éternel Père. Toi qui es assis sur le trône de gloire, papa. Hosanna ce soir, Éternel Père. Toi qui es le véritable, papa. À toi la gloire, l'honneur, papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Sois élevé, Yahweh, papa. Sois élevé, Yahweh, papa. Au nom puissant de Jésus, papa. Sois élevé, Seigneur. Toi qui es le consommateur de notre foi, papa. Alléluia. Merci, papa. Nous voulons encore t'adorer avec ce cantique, oh Seigneur. Nous voulons encore pousser, Éternel Père, des louanges et de l'adoration avec ce cantique, oh Seigneur. Et pendant que ce cantique passe, oh papa, tout Éternel Père, tes enfants, Seigneur, et comme un seul peuple, oh Seigneur, et t'adore, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne
Là où tu es, tu vas te tenir debout. Where you are, you're going to stand up. Tout le monde, nous allons nous tenir debout devant la présence de notre Dieu. The presence of our God. On l'appelle le roi des rois. We call him the God of glory. On ne s'assoit pas devant le roi des rois. We do not sit before the King of Kings. Par l'obéissance. By obedience, c'est dans l'obéissance que se trouve le miracle. It's in the obedience that we find our miracle. Même si ton corps est fatigué, but if your body is tired, dans l'obéissance, it's the obedience. C'est là que Dieu déploie sa gloire. It's when God shows His glory. Alléluia. Amen. C'est la seule clé. It is that key. Comme le pasteur Olivier est en train de nous montrer. That Pastor Olivier showed. C'est la seule clé. It's the only light. C'est la seule clé. It's the only key. Qui ouvre toutes les portes. That opens every door. Dans l'obéissance. In my obedience. Tu peux être malade. You can be sick. Mais Dieu te dit de faire quelque chose. But God tells you to do something. Si tu obéis. If you obey. Tu auras la guérison. You will have healing. C'est ce dans l'obéissance. It's in obedience. Donc on n'adore pas le Seigneur assis. We do not worship God. On l'appelait le roi des rois. We call him the King of Kings. C'est pour cela là où tu es debout. That's why where you are standing. Et tu vas commencer à lui dire merci. You're gonna start saying thank you. Tu vas commencer à lui dire merci pour ta vie. You're gonna start saying thank you. Tu vas lui dire merci. You're gonna say thank Bien you. Bien aimé, on ne s'assoit pas. We do not Nous sit down. Sommes là pour adorer notre we Dieu. We are here to worship God. Lève la voix et lui dis merci. Lift up your voice and say Dis merci thank à ton Dieu. Say thank you to God. Dis merci à ton Dieu. Say thank you to God. Dis merci à ton Dieu. Say thank you to God. Dieu veut t'entendre. God is waiting. Dieu veut t'entendre. God wants to hear you. Dieu veut t'entendre. He wants to hear you. Dis-lui merci. Say thank you. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? What has he done for Dis-lui you? Dis-lui merci. Say thank you. Ce qu'il a accompli dans ta vie. For what he has accomplished. Là où tu es debout. Where you're standing. Ne regarde pas à tes forces. Do not look at the person. Ne regarde pas à ce que tu ne peux pas faire. Do not look at what he Mais can regarde do. À ce que Dieu peut faire au travers de ton obéissance. But look what God can do for your obedience. Dis-lui merci. Say to him thank you. Prions l'Éternel. Pray to God. Rodrigue, can we want to hear everybody pray. Alléluia. Vas-y, 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 continue à prier. Tu vas voir que ce soir, on ne va pas t'imposer les mains. Mais par ton obéissance, toi-même, tu vas faire ta propre délivrance. By obedience, you'll be your own deliverance. Ce soir, il n'y aura pas d'imposition des mains. This afternoon will not be position of hand. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Your problem is not bigger than God. Mais si tu obéis simplement. But if you just obey. Si tu obéis simplement. If you just obey. Et viens devant le trône de la grâce. And come before the throne of Et reconnais tous les biens que Dieu a fait dans ta vie. And recognize every good things that the Lord has done in your life. Je déclare et je décrète qu'un miracle va s'opérer dans ta vie. And that you know that a miracle will operate in your life. L'obéissance. Obedience. Commence à dire merci à Dieu. Start saying thank you to God. Regarde ta maison et dis merci à Dieu. Look in your heart and say thank you to God. Regarde ta santé et dis Look merci à Dieu. Look at your health and say thank you to God. Regarde même l'opposition dans ta Look vie et dis merci à Dieu. In your life and say thank you to God. Regarde tes enfants et dis Look merci à Dieu. Look at your children and say thank you to Hallelujah. God. Hallelujah. Notre Dieu est au-dessus de tout Dieu. Our God is above every other God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? There's someone who can pray. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Bien-aimé, l'obéissance. Nous ne sommes pas simplement un culte normal. Mais nous sommes venus devant le grand But Dieu. We have come before the great God, notre Père. Our Father, il est capable de nous donner tout ce que nous recherchons. To give us everything that we see dans l'obéissance. In obedience. Alléluia. Éternel Père, merci, Papa. Nous voulons te dire merci, Éternel Père, pour tout ce que tu fais, Papa. Nous voulons te dire merci, Éternel Père, pour tout ce que tu fais, Papa. Éternel Père, pour tous les décrets sataniques que tu as annulés dans notre vie, Papa. Éternel Père, pour toutes les oppositions que tu as écrasées, Papa. Pour toutes les rébellions, Éternel Père, que tu as matées, Papa. Éternel Père, lorsque nous n'avions pas de souffle, tu nous as donné le souffle. Et pour cela, nous te disons merci, Papa. Là, Éternel Père, où nous n'avions pas l'habilité, tu nous as donné l'habilité. Nous te disons merci, Papa. Éternel Père, là où la situation était compliquée, Papa, tu t'es levé, Papa, et tu nous as donné la solution. Nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te dire merci pour Jésus-Christ de Nazareth que tu nous as donné, Papa. La Bible déclare que pendant que nous étions encore pécheurs, Papa, tu n'as point regardé, Seigneur, à nos iniquités, Papa, mais tu nous as rachetés de la mort.
Merci ce soir, papa. Ton peuple est uni, Seigneur. Ton peuple est présent, Seigneur. Et ils ont obéi, papa. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Ce que tu déclares, tu l'accomplis, papa. Et ce soir, éternel Père, et par cette obéissance, Seigneur, je déclare et je décrète, Seigneur, éternel Père, que dans ce peuple, Seigneur, des miracles et des prodiges, Seigneur, viennent en action, papa. Éternel Père, celui-là qui était malade, papa, simplement à cause de sa, de son obéissance, Père, et simplement à cause de l'obéissance, Père, éternel Père, ce soir, descend dans nos vies, descend dans nos maisons, descend, éternel Père, dans nos business, papa, descend, éternel Père, et nous voulons te voir, éternel Dieu, nous voulons contempler ta gloire, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire, Seigneur, nous voulons voir la manifestation, Seigneur, de l'onction divine, papa, nous voulons voir la puissance du royaume, mon Père. Éternel Père, ce soir, nous avons obéi, papa. Nous avons obéi, papa. Nous avons obéi, papa. Tu n'es pas un petit Dieu, Seigneur. Tu ne sais pas comment nous rémunérer, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent, papa. Éternel Père, ce soir, nous sommes venus te chercher, papa. Ce n'est pas un langage en vain, papa. Mais nous avons obéi, papa. Nous avons obéi, papa. Nous ne sommes pas restés à la maison. Tu as dit qu'aujourd'hui est un jour, Seigneur, d'adorer ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas restés à la maison. Nous avons obéi, papa. Nous avons pris nos véhicules. Nous avons pris le bus. Et nous sommes venus dans ces lieux, papa. Malgré nos problèmes. Malgré ce que nous avons traversé. Mais nous avons obéi, papa. Éternel Père. Tu nous as dit que, éternel Père, aujourd'hui c'est le sabbat, papa. Nous ne sommes pas restés à la maison. Nous avons obéi, papa. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les problèmes. Et ce n'est pas parce que la maison va. Et ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas malades. Mais nous avons obéi, papa. Souviens-toi, éternel Père. Et ce soir, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ton onction, papa. Éternel Père. Et que les malades soient guéris. Et que les aveugles voient. Et que les paralytiques marchent à cause de l'obéissance. La Bible déclare que tu as dit à cette personne que ta foi t'a sauvé. Nous avons obéi par la foi. Ce n'est pas parce que tout va bien, papa. Éternel Père, nous sommes, papa, éternel Père, confrontés à l'ennemi, Seigneur, à la maladie, papa, même au système, éternel Père, de cette nation, papa. Mais nous nous sommes levés, Seigneur. Nous avons dit, personne ne défie Yahweh et sort victorieux. Personne ne t'a défié, papa, et est sorti victorieux, papa. Tu déclares une parole, Seigneur, et tu la suis jusqu'à son accomplissement. Nous avons obéi. Éternel Père, nous avons obéi. Éternel Père, les larmes ont coulé hier nuit, mais nous avons obéi. Éternel Père, nos maris, nos femmes sont malades, mais nous avons obéi, papa. Nous n'avons pas raté ce jour, Seigneur. Nous sommes venus célébrer ton nom. Nous sommes venus dans ta maison, papa. Regarde à cette obéissance, Père. Regarde, papa. Et ce n'est pas une petite chose, papa. Éternel Père, le corps est fatigué, papa. Mais nous avons obéi, Seigneur. Le corps est fatigué, mais nous avons obéi, papa. Nous irons jusqu'au bout. Nous disons à l'ennemi que nous irons jusqu'au bout. Nous dirons à l'ennemi ce soir que nous irons jusqu'au bout. Nous dirons à la maladie. Et parce que nous avons Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Nous t'appelons papa. Merci, papa. Aujourd'hui, et c'est la journée des papas. Mais tu es le premier papa qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous voulons te dire, Yahweh, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dire, Adonai, que ton nom soit glorifié. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai, le Dieu éternel, Père, dont le ciel est le trône et la terre ton marchepied. Tu marches parmi les chandeliers d'or. Et quand je regarde autour de moi, aucun Dieu éternel, Père, n'est comme toi, Seigneur. Les dieux de ce monde, Seigneur, ne peuvent accomplir ce que tu accomplis. Nous avons obéi. Nous avons obéi. Et ce soir, manifeste ta puissance, oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Votre amen est un peu... Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que Jésus est victorieux ce soir? Est-ce que Jésus est victorieux ce soir? Tu n'acclames pas comme ton Dieu est victorieux. Il faut acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours debout dans la présence de Dieu. The presence of God. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. I greet you in the name Merci of Jesus. Pour votre obéissance. Thank you vous for your allez visit. Voir. You will see. Quelqu'un ne va pas prier pour vous. That someone will not pray for you. But what you have done this afternoon, you will see. Alléluia. Amen. Vous n'allez rien voir si mon Dieu n'est pas Dieu. You will not see anything my God Il n'est pas Dieu God. Parce que je suis en train de parler. He's not God because of his word. He is God because of his word. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les is better than sacrifice. That's what the Bible says. Alléluia. Amen. Et nous avons obéi. And we have accomplished it. Alléluia. Amen. Et il va essuyer nos larmes. And he's going to wipe away our tears. Nous allons dire Happy Father's Day à notre papa. We're going to say Happy Father's Day to our fathers. Dieu d'abord. But God first. Amen. Il est notre père. He's our father. Même s'il est invisible. Even though he's invisible. Alléluia. Amen. Et aussi Happy Father's Day à tous les papas qui sont we là. We say to a Happy Father's Day to all the fathers that are here. Ah, vraiment. Les mamans, vraiment, vraiment, vous aussi, vraiment. Quand c'est pour les mamans, il y a les... Quand c'est pour les papas, on comprend pas. Ah, que le Seigneur bénisse chacun de nous. May the Lord bless all the fathers. Et nous allons aller louer notre Dieu. We're going to praise our God. Avec un cantique de louange. With a song of nous praise. Nous allons danser à la gloire de notre Dieu. We're going to dance for the glory of God. Pendant que nous sommes debout, ne t'assois While pas. While we are standing, continue à obéir. Continue to obey. Alléluia. Amen. Évangélie, Patrick, ou bien Maman, je ne sais pas qui j'ai. Ok, on peut nous gérer pour quelques minutes. 5 minutes. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, bana na zambe ba koye ba ba koku. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, mama na zambe ba koye ba ba koku sa mokonde. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 alléluia,
Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu es dans la joie? Are you happy? De loin, tu vas saluer quelqu'un. From far, you can greet someone. Papa Jean, on peut même occuper les places derrière. Il n'y a pas de problème. Okay. On peut déjà occuper les places derrière. Tu vas saluer quelqu'un. You can greet someone from far. De loin. From far. Vraiment, l'évangile. Zambe na pambola. Vraiment, tu as fait un travail de fond. Maman Annie, Zambe na pambola. Yaya, Zamba Pambolaya. Linda, Apambolaya, Pambolaya. Alléluia. Et que le Seigneur nous fait du bien. The Lord done is good. Nous allons encore acclamer le nom de Jésus. Il est merveilleux. Et pendant que tu es debout, as we're standing, tu vas fermer les yeux. Ne t'assois pas encore. You're going to close your eyes. It's okay. Tu ne vas pas mourir. You're not going to die. It's fine. It's okay. Il y a des gens qui travaillent dans la sécurité ici à l'église. Depuis 6h du matin. Since 6 a.m. Jusqu'à 18h ils sont là. They are there standing. Ça c'est sécurité. Because they're doing security. Ça c'est pour le monde. That's for the world. Mais pour Jésus 5 minutes seulement. But for Jesus just 5 minutes you're already tired. Come on.
Hallelujah. Amen. Tu vas fermer les yeux et prier. We're going to close our eyes and we're going to pray. Que le Seigneur dispose ton cœur. May the Lord dispose your heart. Prie pour toi-même, ta famille. Pray for yourself and your family. Tes enfants. Your children. Que le Seigneur dispose ton cœur. May the Lord dispose your heart. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prions l'Éternel. We pray for the Lord. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On reste debout, nous prenons nos Bibles. Let's remain standing, let's look our Bibles. Nous allons lire première lecture dans Habakkuk. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 à partir de verset 3. Habakkuk chapter 2 from verse 3. Je crois jusqu'au verset 4e. To verse 4. Deuxième lecture. The second lecture. Nous le trouvons dans Romains chapitre 1, le verset 17. Romans chapter 1, verse 17. Et après, nous lirons Hébreux chapitre 10. And then we'll read Hebrews chapter 10. Le verset 38. Verse 38. Alors nous commençons dans Habakkuk. We'll start in Habakkuk. Le temps pour tout le monde de pouvoir trouver. Comme c'est beaucoup de gens en électronique maintenant, c'est facile de trouver rapidement. Everybody using digital Bible is easy to find now. Those that have paperback Bible. Peut-être, ouais, voilà. Je vais lire à partir du troisième verset. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapter 2, verse 3. La Bible dit ceci. The Bible says, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le verset 4. Verse 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. All right. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come and it will not tarry. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Le verset chapitre 1 de Romains. Romans chapter 1. Le verset 17 dit ceci. Verse 17. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. For in it the righteousness of God is revealed from the faith. Amen.
Seigneur, nous voici devant ta parole. Nous voulons étudier un petit peu ce que tu nous as dit dans ta parole. Et nous croyons que nous sommes ton peuple. Nous a convoqué aujourd'hui pour pouvoir écouter ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole donne la santé, la délivrance, la force et la victoire. Seigneur, ta parole protège même. Quelqu'un a dit dans la Bible, ta parole est une lumière sur mes sens. C'est une lampe. Et une lumière sur mon sentier. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole est là. Seigneur, tu as créé le monde par ta parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Nous promesse. Et cette prophétie qui a un temps fixé. That promise that has a time that's been fixed. Et cette prophétie qui va s'accomplir, elle s'accomplira et s'accomplira certainement. And that prophecy will be accomplished. Et nous voyons, la Bible nous dit au verset 4, we see the Bible tells in verse 4, à la fin que le juste vivra par la foi. At the end that the just will live by faith. Donc toi et moi, so you and I, nous sommes appelés à vivre par la foi. We are called to live by faith. Et si nous voulons aussi être dans les annales de la vie chrétienne, if we want to live by the Christian life, nous voulons être dans l'histoire de la vie chrétienne, we want to be within the history of the Christians, nous devons aussi vivre selon la foi et par la foi. We need to live according to faith and by faith. La foi, comme nous l'avons lu tout à l'heure, faith, as we just read, pas simplement la foi de quelqu'un d'autre. Not only faith and for someone else. Je voudrais que Olivier soit Olivier. I would like Oliver to be Oliver. J'aimerais que toi tu sois toi. I would like you to be you. Et chacun de nous doit chercher à faire des efforts. Each one of us needs to seek to make an effort. À faire une expérience personnelle avec Dieu. To have a personal experience with God. Pas simplement les histoires qu'on a dites dans la Bible. Not only things that have been said in the Bible. Cela nous sert simplement des exemples. That simply serves us as examples. Mais parce que les héros de la Bible, because the hero of the Bible, ils étaient des hommes de la même nature que toi et moi. They were men of the same nature as you and I. Ils pouvaient avoir faim. They could be hungry. Ils pouvaient avoir soif. They could be thirsty. Et ils pouvaient se fâcher. They could get angry. Ils pouvaient avoir la colère. They could be angry. Donc nous voyons qu'ils sont des hommes comme toi et moi. So you see, they are men like you and I. Mais ils avaient un certain nombre de choses que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. But they have certain number of things that a lot of Christians lack nowadays. Et nous, chrétiens, as Christians, nous devons adopter ces systèmes-là, cette manière de voir des gens de la Bible. We need to adopt that way of seeing the Bible. Comme nous avons parlé la semaine dernière. As we spoke last week. Que Abraham, Dieu lui dit, Abraham, God told him, sors de ton pays, go out of your country, de ta patrie, and go out of your country, et va dans le pays que je te montrerai. Go to the country that I will show you. Le point culminant était d'arriver dans la terre promise. The point was for him to land, to go to the promised land. Mais il y a beaucoup de difficultés pendant le parcours. But there were a lot of difficulties through his path. Il y a beaucoup de difficultés. There were a lot of difficulties. Le monde ou bien la vie nous réserve beaucoup de choses. The world or life reserves a lot of things. Beaucoup de surprises. A lot of surprises. Ça nous réserve beaucoup de surprises. There's a lot of surprises. Tu peux voir quelqu'un marcher avec la canne aujourd'hui. You can see someone walking with a stick today. Il n'était pas né comme ça. They were not born that way.
Mais la vie but life a réservé une surprise. Reserved a surprise. Il y en a beaucoup aujourd'hui. There are a lot nowadays qui pouvaient avoir des enfants. They could have children. Mais ils n'ont pas d'enfants. But they don't have any children. Ce n'est pas parce qu'ils ont un problème quelconque. It's not because they have a problem. Mais c'est parce que la vie leur a réservé beaucoup de choses. It's because life reserved a lot of things for them. C'est pourquoi lorsque Habakkuk est en train de parler ici, when Habakkuk was speaking here, il dit, quand nous lisons dans ces verset 3e que nous avons lu, when we read in verse 3, as we just read, c'est une prophétie. It's a prophecy dont le temps est marqué. Where a time has been appointed. Elle marche vers son terme. He's walking towards his term. C'est-à-dire qu'elle marche vers son accomplissement. So he's walking towards its accomplishment. Elle s'accomplira certainement. It will be accomplished, certainly. Et la Bible nous dit, the Bible tells us, le juste vivra par la foi. The just will live by faith. Et ce que nous devons comprendre par rapport à la foi, what we need to understand by faith, c'est que, comme l'auteur l'a défini, l'auteur des Hébreux, as the author of Hebrew described, il dit, la foi c'est une ferme assurance, he said, faith is a firm assurance de choses que nous espérons, of things that we hope for, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. And a demonstration of what we do not see. La foi, faith, on te dit, they tell you, quitte ce pays, vas-y. Leave this country, go. Moi je savais que je serais en Europe. I knew I'd be in Europe. C'est simplement par la foi. It's simply by faith. Sans argent, sans ticket, with sans no quoi. Money, no flight tickets. J'allais simplement faire la théologie. I was simply going to study theology. Mais pour arriver là-bas, je ne savais pas comment y arriver. But for me to get there, I didn't know how I was going to get there. Et c'est simplement en disant, j'ai déclaré une chose. It's simply by saying, I declare something. Je dis, si le Dieu dont je suis serviteur, I say, in the God that I serve, et vivant, j'y vais arriver. If he's living, I will go. Et je fais confiance à la parole de and Dieu. I trusted the word of God. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, what we need to understand, brothers and sisters, quand on dit la foi, c'est une ferme assurance. When we say faith is a firm assurance, des choses qu'on espère. Or things that we hope for. C'est-à-dire des choses que tu ne vois pas. It means things that you do not see. Comme j'ai donné l'exemple de Dieu. As I give an example of God, je vais vous expliquer d'abord quelque chose. I'll explain something to you first. Vous savez que Dieu a vécu plusieurs années avant que le monde ne soit créé. You know God lived through many years before the world was created. Ce que nous appelons l'éternité, ce que les théologiens appellent l'éternité du passé. What theology called the eternity of the past. C'est-à-dire dans le passé. It means in the past. Dieu a vécu. God lived. Et dans l'éternité du passé. In the eternity of the past. Dieu avait déjà la pensée de chacun de nous tels que nous sommes. God already had the thought of each one of us as we are. Et il nous connaît par nos noms. And he knows us by our il names. Il savait que cet enfant on l'appellera Peniel. He knows this child will be called Peniel. Celui-ci on l'appellera Michael. This one will be called Emma and Michael. Celui-là on l'appellera Olivier. This one will be called Oliver. Dieu connaissait ça. God knew all this. All our thoughts. Donc c'est-à-dire même le monde. So it means even the world. Dans lequel nous vivons. In the world that we live in. Est créé par des choses qui ne sont pas visibles. It's created by things that are not visible. C'est-à-dire que c'est le spirituel. It means it's the spiritual qui appelle l'existence aux choses que nous voyons aujourd'hui. That causes existence the things that we're able to see. C'est pourquoi vous allez voir par exemple des déclarations selon lesquelles. That's why you see some kind of declarations. Je souhaite que tu prospères à tous égards. I wish for you to succeed in every comme area. Comme prospère l'état de ton âme. As your soul prosper. Ça veut dire que it means, si ton âme ne prospère pas, if your soul does not prosper, le physique aussi, il n'y aura pas la prospérité. In the physical, there will be no prosperity. Quand je suis abattu dans mon intérieur, when I'm built in, when I'm torn inside, vous allez voir que cela se manifeste dans le physique. You see that will be manifested in the physical. Sur ma face, par exemple. On my face, for example. Vous allez voir cela. You see it. C'est pourquoi, mes bien-aimés, that's why, beloved, si nous parlons de la foi aujourd'hui, when we speak about faith today, nous devons comprendre que we need to understand la foi ne peut se réaliser que faith can only come to realize when si nous comprenons une chose. We understand one thing. D'abord, il faut étudier d'où vient la foi. First, we need to study where does faith come from. Avant que je commence à expliquer toutes ces choses ici. Before I start explaining all these things. D'où vient la foi? Where does faith come from? La foi que l'auteur d'Hébreux a expliqué. La foi faith vient that d'où? The author of Hebrew expressed. La foi, c'est la parole de Dieu. Faith is the word of God.
La foi, c'est la promesse de Dieu. Faith is the promise of God. Tout ce qui est dans la Bible. Everything that's in the Bible. C'est ce que Dieu a promis. Is what God has promised. Ce sont des choses invisibles. They are things invisible. Que nous ne voyons pas. That we're not able to see. Par exemple, tu seras guéri. You will be healed. La guérison que tu n'as pas vue même. The healing you've not seen. Tu sais que c'est là. But you know it's there. La foi. On dit par exemple que tu seras béni. For example, they could say you could be quand blessed. Quand je te dis, la blonde, tu seras béni. When I say la blonde, you'll be blessed. La bénédiction, tu n'as pas vu ça. You've not seen it. Mais tu acceptes cela. But you accept this. Tu acceptes simplement que non, je suis béni. You accept that I am blessed. I retain it. Donc, si nous lisons maintenant. So if we read. Dans Hébreux chapitre 10, d'où vient la foi? Hebrews chapter 10, where faith comes c'est là from. Où nous comprendrons ces choses. That's where we understand these things. D'abord, avant de lire, before reading, parce que nous sommes en train de faire une étude, and because we study, et si nous lisons d'abord Josué chapitre 1er, disons d'abord we Josué read the book chapitre of Joshua chapter, chapter 1. Nous lisons Josué chapitre 1er. Joshua chapter 1. La Bible nous dit au verset 8e, que nous connaissons tous, nous citons même cela. Verse 8. Hein? Écoutez ce que la Bible dit, Josué, chapitre 1, le verset 8. Il dit ceci. Joshua chapter 1, verse 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on dit la parole de Dieu. The word of God, si nous l'étudions, if we si nous le méditons, if we meditate, si nous le lisons, if we read it, nous l'examinons, we examine it, nous réussirons dans toutes nos entreprises. C'est ce qu'on dit. That's what he says. Il n'y a pas quelqu'un qui lise la parole de Dieu qui ne réussisse pas. There's no one that reads the word of God and does not succeed. Quand tu lis la parole de Dieu, when you read tu la médites. You meditate. La méditation veut simplement dire un profond examen de la parole meditation de Dieu. Meditation simply means a profound examination une, of the word. C'est-à-dire un profond, une profonde réflexion. It means a profound reflection. Par rapport à cette parole. According to the word. Qu'est-ce que la parole de what Dieu? What does the word of God say? Que nous enseigne la parole de what Dieu? Is the word God teaching qu'est-ce que us? Dieu veut que je puisse apprendre par rapport what à cela? God like me to understand from this word? Et alors, quand tu comprends ces choses, and when you understand these things, que toute la parole de Dieu, the ce sont des God, promesses they are promises, qui n'est pas donné simplement à certaines personnes, that's not only just given to certain people, mais qui est donné à toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses I, que tu dois simplement t'en accaparer. You know, the certain God is simply c'est-à-dire qu'il faut saisir cela. Il ne faut pas que ça soit pour quelqu'un d'autre. Don't let it be for someone else. Tu n'es pas venu dans le monde accompagner quelqu'un. You didn't come to the world accompanying tu someone. N'es pas dans le monde pour accompagner les pasteurs. You didn't come to the world to accompany the pastor. Tu n'es pas dans le monde pour accompagner ni ta femme you ni tes enfants. To accompany your children, mais tu es dans le life, monde pour réussir. But you're in the world to succeed. Alléluia. Amen. C'est pour réussir. It's to succeed. Mais c'est là pour que tu réussisses. But for you to succeed, il faut avoir la foi. You need to have faith. Et cette foi and that faith ne vient que only comes de la parole. From the word of God. Alléluia. Amen. C'est là où je dis qu'il faut que nous étudions d'abord d'où vient la foi. That's why first we need to pour comprendre study la foi, c'est une ferme assurance. So les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit it's pas. On peut tout dire ça. We can say all these things. Mais si tu ne comprends pas d'où vient la foi, but if you don't understand where faith comes from, et comment obtenir cela, and how to obtain it, mais bien aimé, beloved, tu seras toujours la même chose. You always be tu the seras same. Toujours le même chrétien. You always be the same tu Christian. N'avanceras pas. You will not go forward. On peut nous dire tout ce qu'on peut dire. They mais comprends d'abord d'où vient cette foi. You need to understand where does that faith come Hébreux from? Chapitre, non, non, Romains chapitre 10. Romans chapter 10. Il faut lire la parole de Dieu, ok? Non, ce n'est pas difficile de lire la parole de Dieu. It's not hard to read the word of God. Chapitre 10. Et son verset 17. La Bible dit ceci. Romans chapter 10, verse 17. La Bible dit ceci. The Bible says. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. La parole des sorciers donne ce qu'on appelle la peur. The word of the sorcerer gives fear. Les occultistes donnent la peur. And the sorcerer gives fear. Mais la parole de Christ, but the word of Christ te donne l'assurance. Gives you assurance. C'est pourquoi on dit ici, that's la foi vient de ce qu'on attend. Faith comes from what we hear.
Soyez des gens qui écoutent. Be people that hear. Écoutez beaucoup. Listen a lot. La parole de Dieu. The word of God. Quand tu écoutes beaucoup la parole de Dieu, when you hear the word of God, la foi commence à naître dans ton cœur. Faith starts to be born. Parce que in la parole de Dieu. Because the word bien, of God. Écoutez bien. Beloved, listen. La Bible dit ceci. The Bible says que toute écriture est inspirée de Dieu. Every scripture is inspired by God. Utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger même. To, correct. Et la Bible dit par ailleurs, says, c'est poussé par le Saint-Esprit by the Holy que les hommes ont parlé de la part de Dieu. That donc cette parole-là a une onction. La parole a une puissance. It has a power. La parole, c'est une puissance. The word has a power. Parce que la parole crée. Because the word creates. Dieu a créé le monde. God created the world. Par la parole qui est by Jésus. Words, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec God, Dieu et la parole, elle était Dieu. And the world was God. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nothing that was done has been done without. Donc nous comprenons ici, so la foi vient de la parole de Dieu. Faith comes from the word de la parole of God, que tu écoutes. The word that you quand hear, tu écoutes beaucoup, when you hear a lot, tu ne pourras plus avoir de doutes. You will never be able to have doubts. Pourquoi les gens refusent de se vacciner aujourd'hui? Parce why qu'ils ont beaucoup écouté. Dans les internets, dans les réseaux sociaux, ils ont écouté beaucoup. Et les gens refusent par conséquent de se faire vacciner. Amen. Parce qu'ils ont beaucoup quoi? Why? Because écouter. They've heard a lot. Ils l'ont démontré. C'est pourquoi les gens refusent. That's why people are refusing. Donc, quand tu écoutes beaucoup, so when you hear a lot, donc la foi vient de la parole de Dieu. Faith comes from the word of God. Alors, quand tu comprends cela, when you understand this, tu peux maintenant remplacer la parole de Dieu you can now replace the par word la of God foi. With faith, nous pouvons dire ceci. We can say, or, la parole est une ferme assurance and the word is des choses qu'on espère. Of things that we c'est hope ça. For. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça la parole. See, pour avoir possédé la parole de Dieu, God, tu peux obtenir you can obtain un résultat favorable, a good, un témoignage result, favorable. A good testimony. Donc, et la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, God, God, tu auras la foi. You have faith. Tu n'auras pas de doute. You will not have any doubt. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Because it's not word of mais c'est a man, la parole de Dieu. It's the word of God. Je crois. Abraham a simplement cru. Abraham simply believed. Il a simplement cru. He simply believed. À la déclaration selon laquelle quitte ton pays. Leave the country. Va dans le pays que je te montrerai. Il a simplement cru à cette he parole. He simply believed in that word. Il a cru. Il n'a pas cru à une histoire comme ça. He didn't believe mais in à story, la parole. Dont la parole de Dieu qui sort de la bouche the word de Dieu. Of God that came from God. Vous savez, il y a beaucoup de passages qui disent. There's a lot of scriptures that Dieu n'est pas un homme pour mentir. God is not a man to lie. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, so it means when God says something, il l'accomplit. He will accomplish it. Quand il dit une promesse, il va l'accomplir. When he says a promise, he will accomplish quand it. Quand il dit que partout la plante de vos pieds foulera. Where is it? Everywhere the sole of your feet will touch. Donc ça veut dire que mes bien-aimés, si tu crois simplement à cette parole, if you simply believe in that word, et comprenez la semaine dernière, je dis la croyance. Last week croire, I said le verbe croire. To believe. Exprime trois choses. L'obéissance, l'espérance et quoi? Obedience, l'amour de Dieu. And hope and the love of God. Et quand tu crois à cette parole-là, tu obéis à cette parole-là, tu espères à cette parole-là, tu vas voir ce que Dieu peut faire. What God can do. Le parcours de la vie, mes bien-aimés, the path of life, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. There are a lot of things that can come. C'est pourquoi la Bible te demande de ne pas marcher par la vue. That's why the Bible asks us not to walk with our eyes. Mais marche par la foi. But walk by faith. Écoute, Abraham a transmis la foi à Ézéchiel. Abraham transmitted faith à Eliezer. Eliezer. Ah, c'était ça son serviteur, non? Eliezer. Il s'appelait Eliezer. Le serviteur d'Abraham. The servants of Abraham. Parce que, écoute, Dieu, un jour, Abraham dit à Dieu. One day Abraham was saying il dit, God, Seigneur, après même, après qu'il ait reçu la promesse et que non, il aura la multitude des enfants, comme le ciel, children, comme les étoiles du ciel, comme the le sable de la mer. The sand of the sea. Il avait déjà cette promesse. He had that promise. Maintenant, il pose la question à Dieu. Now he asks God, il dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfants. He said, Lord, I do not have any children.
Parce que quand Dieu a appelé Abraham, when God called Abraham, écoute très bien. Listen carefully. Abraham avait 75 ans. Abraham was 75 years old. Quand Dieu l'a appelé. When God called quand him. Dieu lui a donné la promesse. When God gave him the promise. Et la promesse est accomplie 25 ans après. And the promise was accomplished 25 years later. Vous comprenez ça? Do you understand? La promesse s'est accomplie 25 ans après. C'est-à-dire parce que si vous faites 75 plus 25. 75 parce que Abraham a eu Isaac à 100 because ans. Abraham had Isaac at 100 years donc, old. Donc la promesse ne s'est pas accomplie directement. So the promise was not accomplished. Mais il devait away. Appliquer la foi. But he had to apply faith. Un jour il dira même à Dieu. One day he said to God. Il dit Seigneur. Say Lord. Eliezer. C'est celui qui sera mon héritier. He's the one that inherits. Parce que je n'ai pas d'enfant. Because I do not have any children. Dieu lui dira. God said to him. Il dit Eliezer ne sera pas ton héritier. He said, Eliezer will not be your inheritance. Même un jour il a dit mais c'est l'enfant de la prostituée. Non pas la prostituée, n'était pas prostituée, de ma servante. He said the child of my servant. C'est celui qui sera l'héritier. He's the one dit, who's going to inherit. Ce n'est pas l'enfant qui est né hors de la maison. He said no, it's mais not c'est l'enfant qui sera child né. Born outside the home. Donc c'était ça la promesse. Born. Et Abraham, and Abraham, lui, il avait cette foi là. He had a faith. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il avait la nous allons lire tout ça. Il avait la conviction dans son cœur. Même s'il avait un corps usé. Even if he had a gift. Non, un corps usé. Oh, sorry, a tired body. Voilà, un corps usé. When he had a tired avancé body, en âge. Advanced age. Et qui n'avait même plus envie. He didn't even have the need. Mais bien aimé dans le Seigneur. But beloved in the Lord. Dieu lui a dit. God told him. Il avait même dit à Sarah. Même Sarah même était étonnée. Even Sarah was astonished. Parce que Sarah a dit. Because Sarah said, when God told her, l'année prochaine, next cette year, même époque, at the same time, Sarah aura un enfant. Sarah will bear Sarah a child. Lui. And Sarah laughed. Sarah commençait à dire lui-même, Sarah je suis déjà herself, vieille comme I'm ça. Old. Et puis mon Seigneur n'a même plus envie. My Lord does not have any need. Comment on peut avoir l'enfant? How can we then have children? Mais bien aimé, but beloved, quand tu as la foi, when you have peu faith, importe qui peut arriver. No matter what may come, toi ne regarde pas do not look les difficultés, at the difficulties, le problème, at the problem, les obstacles. The obstacles. Regarde la parole de Dieu. At the word c'est of God, que la parole de Dieu a promis. The word of God has promised. C'est là où tu vas te référer. And that's where you're going to find yourself. Parce que tu peux dire que je ne mourrai pas, if je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu a dit que la lumière soit la lumière fume. God said, let light be. Et alors quand tu dis ça, tu dis ça. Tu dis que je ne mourrai pas. He said, je vivrai. Die. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. I will meet the glory of God. Tu es en train d'appeler en existence. You are calling to existence. Les choses qui ne sont pas. The things that tu are appelles not. Cela. Parce you're que calling quand it. Tu te réveilles le matin, because when you wake up in the tu morning, confesses par rapport à ta journée. You confess on how your day will be. Je confesse par rapport à la journée. I confess on tu es en train de déclarer les choses. You declare things. Le matin, tu déclares des choses. In the morning, you declare things. Tu dis que non, je serai béni. You say, I will be blessed. Je serai béni. Au marché. I will be blessed. Je serai béni comme ça. I tu déclares ces choses-là. C'est-à-dire, tu es en train de démontrer. N'ayez pas simplement la foi. Bon, écoutez, la foi, la foi vient faith. De la parole de Dieu. Qu'est-ce God. Que la Bible te dit? What does the Bible puisque la foi vient de la parole because de Dieu. The faith comes from the word of la God. Bible dit ceci. The Bible says, il dit pourquoi dormez-vous si tard? Why are you sleeping so late? Et réveillez-vous si le matin. And waking up in the morning. Dieu pourvoit. God pour ses bien-aimés pendant leur sommeil. Même tu dis, Dieu, c'est toi qui as dit. God, you parce que tu ne mens pas. Because tu as pourvu pour moi you have provided for pendant me mon sommeil. While I was asleep. Donc tu déclares maintenant, Seigneur, so you now declare je déclare say, Lord, I declare que ce que toi tu as promis that what pour moi va arriver. Will come. Tu ne dormiras pas à faim. You will not sleep. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras rien. You will not lack anything. C'est là où la foi commence à naître. That's quand tu as vraiment la foi, when you are firm in faith, tu sais que tu entres dans une situation, you go into a situation, dans une difficulté, in a difficulty, et tu sortiras. And you will come out of it. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ici, il y a, here, y a beaucoup de versets qui disent que le vivre, les justes vivra par la foi. Oh, c'est une insistance. C'est une insistance. Les justes vivra par la foi. Le verset que nous avons lu là, il y en a encore d'autres qui disent que le juste vivra par la foi. Les justes vivra par la foi. C'est juste pour te rappeler que toi, tu ne fais pas une marche normale. You're not walking normally. Tu ne fais pas une marche comme le monde est fait. You're not walking as the world le monde now. Veut voir. The world wants to see. Le monde est comme Thomas. Si the je ne vois Thomas, pas, si see, je ne vois pas, je n'accepterai pas. If I do not see, I will not accept. Mais je n'ai pas vu. But I've not seen. Mais j'ai palpé.
Je parle de la chose. C'est vrai, tu peux le faire aussi. C'est-à-dire, quand tu es là, tu crois même que tes enfants seront comme ça. As you are there, you can believe that your children will be like you. We read last week. Le verset 13 de Hébreux chapitre 11. And verse 13 of Hebrew chapter 11. Chapitre 11, verset 13. Qui dit ceci? It says. Il dit comme ça. Que Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac and Jacob. Ils sont tous morts. They're all and sans avoir vu. Without seeing. Sans avoir vu. Without seeing. La promesse de Dieu. The promise mais ils of God. L'ont salué des lois. But they were greeting it from afar. Ils l'ont salué. Ça dit que leurs enfants. It means their vous savez children. Que les Juifs sont riches. The Jews are et la Bible dit nous que toute la famille de la terre say, all the family on sera bénie en toi. Will be blessed in toutes you. Les familles de la terre. All the family voilà pourquoi lorsque nous prions souvent, that's what je dis prions pour Israël. Pourquoi? Israel. Parce que quand why? Tu bénis Israël, when you bless Dieu te bénit. Et j'ai la foi à chaque fois que tu fais cela, that each time that you do that, Dieu est en train de te bénir. God is blessing you. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien la Bible nous recommande de prier pour Jérusalem. It's not for no reason God recommends for us to pray for Jerusalem. Il y a beaucoup d'endroits où Dieu nous recommande there are de prier. There are places where God recommends for us pour to pray. Jérusalem. For Jerusalem. Donc ce que nous devons comprendre, frères what et sœurs, we need to understand, brothers and sisters, que la foi, tu dois les saisir. You need to seize parce que c'est la foi faith qui crée. That creates. La foi. Faith. It's the word ça of God. De la parole de it Dieu. Comes from the word je of God. I believe in the word of God. C'est pourquoi quand je peut-être quand je j'enseigne sur le mariage, je dis souvent. When I teach on marriage, I often say. Quand les difficultés arrivent dans when le foyer. When difficulties come. Quand la femme ne te comprend pas. When the wife no longer understands. Non simplement you, la femme, quand les maris ne te comprennent pas. Or when the husband no longer understands. Because there's some men that are stubborn. Qui sont impossibles même la vérité des chefs culturels. Il faut que cela se fasse. They are ils sont des colériques. They are angry. They're easily angry. Tu peux les gérer. Pas. You can manage them. Alléluia. Amen. Alors, je dis souvent. I often say. Il faut que la parole de Dieu soit votre référence. The word of God is your reference. The center. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait quoi? Qui résout tous les problèmes because que nous avons. Tous les problèmes. Il n'y a pas de problème dans ces mondes ici que la parole n'ait pas résolu. La parole a résolu toutes les paroles, toutes les choses. Everything. C'est pourquoi tu dois croire à cela. That's what you need to believe in it. La foi, c'est ce qui est invisible, qui doit être amené à l'existence. C'est invisible, mais ça doit être amené. La foi, c'est quoi? Ce qui n'est pas. Faith is what is not. Mais je l'amène à l'existence. But bring it into existence. Ce qui n'existe pas. What is not existing. Ce que les hommes trouvent que c'est impossible. What men find impossible. Mais je l'amène à l'existence. But bring it into existence. Toi, tu fais en sorte que ces choses-là arrivent à l'existence. You do everything for that thing. Il faut faire un existence. Parcours avec Dieu. So you need to go for a path ton with Dieu. God. Your God. Que tu marques. That you walk. Ton époque. That période, you make a mark. Ton temps sur la terre. Your time on earth. Comment je marche? Pourquoi how les gens parlent de John Wesley? Pourquoi why les gens parlent d'Abraham? Pourquoi les gens parlent de David? Why do people speak parce about que les gens, because est-ce que David, David d'abord, David, l'aime selon le cœur de Dieu. The man called the heart of God. Il a appris la foi où? Where did he learn faith from? C'est nous qui apprenons la foi aujourd'hui. It's us that are learning faith today. David a appris la foi où? Where did faith get? Il est passé simplement. Il a vu un ours. Il a déchiré l'ours avec les mains. Il a pris les lions. Il a déchiré les lions. Oh, the lion. C'est pourquoi. It's why. Parce que Dieu avait déjà dit. Because God's already said. Il y a plusieurs endroits. In many places. Tant que tu existeras, nul ne tiendra devant toi. Il a dit ça à Josué. Mais Josué était mort. Mais la descendance continuait. But his descendant continued. Il dit tant que tu existeras. As long as Samson l'a fait. Samson done it. Il a déchiré les lions. He teared and tore the lions. Mais écoute très bien. Le jour où Goliath est venu comme ça. The day Goliath came. David a dit, mais Goliath, là, c'est qui? David said, who is Goliath? Il dit, quel est cet insurconcis? He said, who is this insurconcis? C'est étranger à la vie de Dieu. Un insurconcis, c'est quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu. Quel est cet insurconcis qui insulte la main de l'Éternel? Yeah, il dit, je me battrai avec lui et je le tuerai. Je donnerai sa chair aux oiseaux d'ici. I will give his body and his il avait la foi. Mais un homme qui parlait avec assurance. He's come with assurance. La foi, c'est parler avec assurance. C'est déclarer avec assurance. It's declare with assurance. Même là où, parce que nous avons souvent des paroles négatives. Because often we have negative words. Alléluia. Amen.
On a des paroles négatives. We use negative words. C'est vrai, quand tu as des négativités dans la tête. It means when you have negative thoughts. Tu es un homme irrésolu. You are man that's a. Un homme irrésolu, c'est quelqu'un qui ne peut jamais obtenir quelque chose de la part de Dieu. A man that's not able to obtain anything from tu God. Tu ne peux pas dire des choses et les choses arriver. You cannot say things for nothing to happen. Amen. Amen. La foi, tu peux aussi l'attirer. Faith, you can also attract her. Parce que pour obtenir quelque chose, because to obtain il faut d'abord attirer cela. You first need to attract her. J'ai beaucoup de temps, pas aujourd'hui, mais même la semaine prochaine. J'ai beaucoup de temps, mais nous allons faire un exercice là. Okay? We'll do an exercise. Nous allons voir que we'll find that la plupart de gens que Jésus a guéris dans la Bible, the most part that, of people eux-mêmes ont attiré, ils ont attiré la guérison. Attracted healing themselves. Amen. Amen. Ils ont attiré la guérison. Si nous commençons par Bartimée, Bartimée, il a entendu parler de Jésus. And heard people speak about Jesus. Écoute. Listen. Jésus, quand il a guéri Bartimée. When Jesus healed and Bartimée. Il ne l'a pas touché comme ça. Il a dit, sois guéri. He didn't touch him and say, be healed. Il a dit. He said. Qui peut nous lire ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus Christ a dit quoi? What did Jesus dans say? Le livre de Marc. La blonde, est-ce que tu peux lire ça? In the book of Mark. Marc 10, 52. Chapter Mark 10, verse 52. Et quelqu'un d'autre nous prépare Matthieu chapitre 10, verse 52. Amen. Amen. Ça dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas touché. He didn't touch him. Il n'avait pas besoin de le toucher. He didn't need to touch him. C'est-à-dire que Bartimée lui-même, il attirait la faveur de Dieu. Il attirait la guérison. Jésus lui a simplement dit, Jesus simply said, va, ta foi t'a sauvé. Your faith has saved il ne l'a pas touché. He didn't touch him. Donc tu peux aussi attirer la guérison. You can attract healing. Toi-même, tu attires cela. Yourself, you can do that. La solution que tu es en train de chercher, the tu peux attirer you're cela. Seeking for, you can attract attire cela. Donc il ne faut pas simplement dire que écoutez, don't simply just say, listen, Dieu, je veux être guéri. Lord, I want to be healed. Aie la foi. Have faith. À la parole de Dieu. In the word of God. Parce que la Bible dit ceci. Because the Bible says. Je pense que Bartimée avait la révélation selon laquelle. I believe Bartimée had a revelation. Que c'est par le maîtrisure de Jésus. That through the wound of Jesus. Nous sommes guéris. That we are healed. Il a cru à cette parole. He believed in our word. Il avait la foi à cette parole. He had faith in our word. Et c'est pourquoi on dit. And that's what he said. Dit ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que la parole sur laquelle tu as cru. It means the word in which you believed in. T'a guéri. Has healed you. Cette parole là. That word. Crois simplement à cette parole là. Believe in our word. Qui est une promesse dans la Bible? There is a promise les promesses ne sont pas faites pour les animaux. Promises are not made for animals. Les promesses sont faites pour toi et moi. The promises are made for you et qui est dans la parole de Dieu pour que tu réussisses so that you may succeed dans toutes tes entreprises. In all your endeavors. C'est pourquoi that's Jésus why a dit simplement Jesus simply said, ta foi t'a sauvé. Your faith has healed you. Ça c'est la première personne. That is the first person. Regarde, la deuxième personne, la femme cananéenne. The second woman and second person. Avait une foi terrible qui étonnait même Dieu. Had a strong faith that even astonished God. Qui étonnait Jésus? Vous savez, toi God. Tu as la, tu crois tellement à la parole. If you truly believe in the word. Tu es plein de la parole. You are full of the word. Je ne dis pas que tu sois plein de la parole qui est simplement les bababab, qui I'm est simplement un slogan. Mais la parole, tu crois à cela. Je me tiens. Même quand tout le monde doute, même quand tout le monde dit que c'est impossible, mais tu tiens, tu te tiens à cette parole, tu tiens à la parole que tu as déjà écoutée. Combien de fois? Les chrétiens devaient être des gens qui ont la foi extraordinaire. On peut te dire. They can say to you, viens, prie pour ces malades. Come, pray for this sick person. Tu dis, mais puisque la parole de Dieu me recommande. You say, because the word of God recommends. De prier pour les malades et que les malades soient guéris. To pray for the sick and the sick will je be healed. Je le fais. I'm doing it. C'est pourquoi nous avons parlé de l'obéissance. That's why we spoke about je obedience. Le fais. I will do it. Je le déclare. I will declare it. Donc tu attires cela. So you attract la femme cananéenne. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, qu'est-ce que la Bible chapter nous dit là-bas? Matthieu chapitre 15, le verset 52. Matthew chapter 15, verse. Matthieu, là c'est Matthieu, hein? Oh, en fait. Matthieu chapitre 15, le verset 26 et 28 plutôt. Verse 26 to 28. Qui peut lire? Il répondit, il n'est pas bon
de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Fille guérie. Alléluia. Il dit qu'il te soit fait selon ce que tu veux. C'est ça. Quand tu crois à la parole de Dieu, when you believe in the word of God, tu bases ta foi sur la parole de Dieu. You put your tu poses ta foi sur la parole de Dieu. Cela a fait naître la foi. Tu peux maintenant attirer quoi? Le miracle. And miracles. Et cette femme-là, and that woman, Jésus lui a dit, Jesus said to her, il a dit, ta foi est tellement grande. Your faith is so great. C'est pourquoi, mes bien-aimés, regarde, la foi aujourd'hui, c'est des croix. Faith nowadays is to believe. C'est des croix. It's to believe. Les gens n'ont plus la foi. Jésus-Christ même me posait la question. Vous savez, Jesus Christ, il pose la question, question. Il dit, said, quand le Fils de l'homme viendra sur la when terre, the Son of Man will come trouvera-t-il on earth, la foi sur la terre? Will he find faith on earth? Parce que nous ne croyons pas. Because we don't longer believe. La foi, tu peux attirer tes miracles. Toi-même, tu attires cela. J'attire cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Je serai comme ça. Mes enfants seront comme ça. Je suis en train d'attirer cet homme. Et vous allez voir aussi, il y a la femme à la perte de sang. You see the woman that was losing blood. C'est sûr, donc, la plupart des gens que Jésus a guéris dans la Bible, il ne les a pas touchés. Il ne les a pas touchés eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu, Jésus est en train de déclarer la foi qui est en eux. So Jesus is declaring the faith that's leur croyance. Their belief. Jésus déclare cela. Jesus simply declares dans la vie de ces gens-là. In the lives of those people. Donc, bien-aimés dans le Seigneur. So, beloved, toi, tu peux attirer. You can attract. C'est que tu veux que cela arrive à tes enfants. What you want for him to happen to your children. À Gabriela. Commence à déclarer ça maintenant. Start declaring it now. Alléluia. Amen. Commence à attirer ça maintenant. C'est toi qui attires cela. Because it's you that attracts it. Et bien aimé, lorsque les enfants grandissent, beloved, as children ils peuvent être turbulents. They could be, ils peuvent être ce qu'ils peuvent. Troublemakers, they could be whatever. Mais bien aimé, dans le Seigneur, à la fin, but si tu continues toujours à déclarer, if you continue to Seigneur, Lord, mon enfant sera my child will be ministre dans ces pays. A minister in this country. Il n'y a pas la congolité là, mais ça c'est le ministre ici au UK. Il sera. Mais, parce qu'il y a des ministres noirs ici. Ils sont nés ici. Because the prime minister is born here. Et toi tu confesses ces choses-là. And you are tu le verras s'accomplir. Parce que tu as la foi. Because you have faith. Tu démontres cela. You demonstrate these things. Alléluia. Amen. Donc, la foi faith appelle en existence des choses qui ne sont pas. Or things that are not. De la même façon que Dieu a appelé en existence les choses qui ne sont pas, things c'est la même façon not que tu peux attirer, appeler en existence des choses qui ne sont pas. The same way you can attract, tu verras ce que Dieu va faire. You see what God can do. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, I said to you, j'allais faire la théologie comment on appelle ça, au Nigeria. I went to study theology in Nigeria. Et j'ai dit, je n'avais pas d'argent. And I said, un peu d'argent pour le transport simplement. Simply a small amount of j'ai dit à transport. Mon ami qui s'appelait Jean Israël. I said to my friend that was il faut qu'on parte. How are we going lui to a dit, go? On va partir. Mais le jour du départ, we il n'est pas go parti. But the il avait leave, peur. He didn't go. He was afraid. Et je suis allé. I went. J'ai traversé les frontières. I went through the barriers. Vous voyez comment j'ai fait? Je faisais ceci. J'ai pris les bateaux. J'ai pris les bateaux. Le fleuve Congo. Bah! J'ai quitté le fleuve Congo. Mongala. Bah! Je suis arrivé à Kula. Je suis arrivé à Gemena. Je suis arrivé à Zongo. Je suis arrivé en République centrafricaine. Je suis arrivé en République centrafricaine. Je suis arrivé comment on appelle ça, la frontière nigérienne. Je suis allé à Yaoundé. J'ai bloqué là-bas Yaoundé. J'ai dit ça. Tout l'argent que j'étais. Que j'avais and all the money I had to run out. Alléluia. Amen. Mais je savais qu'un jour one day, je vais arriver là-bas. I will arrive. On a commencé à organiser les évangélisations là-bas. On a organisé l'évangélisation. Sharing the gospel. Je trouvais une église qui était dans la séparation. I found a church that was in separation. Et je suis entré là-bas. And I went there. On a commencé à évangéliser. I will start on a évangélisé. On a évangélisé. Et on a créé des églises. And we created churches. Et un jour, un and frère one day, dit, a brother said, il dit, ah, mon
frère. C'est mon frère. À ce moment, cette époque-là, j'étais encore trop jeune. Back in that day, I was very young. Vous savez, ça fait 27 ans que j'ai quitté le Congo. It's been 27 years since I left Congo. Et il dit, mais tu... Il dit, mais tu es encore jeune. He said, you're still young. Mais tu as fait beaucoup de travail ici. And you've done a lot of work La seule here. Chose que je ferais pour toi, the only thing I would do for you, c'est d'être acheter un billet pour aller à Aix-en-Provence et faire la théologie. Comme for you to buy a flight ticket for you to go to. Je savais que je devais aller. I knew that I had to go. Mais il y avait beaucoup de difficultés en cours de route. But there were a lot of difficulties in my path. On a dormi dehors. We slept outside. On a manqué la nourriture. We lacked food. On a été comme Élie, we were like Elijah, au bord de la mer, at the end of the sea, mangeant la nourriture qui vient du ciel. Eating food coming from the Il y a que Dieu qui pourvoyait. God was providing. On n'avait pas de salaire. We didn't have a wage. Alléluia. Amen. Mais je savais qu'un jour j'arriverais. But I knew one day I would get Et je déclarais toujours. And I always declared. Mon cochambré, hein? Mon cochambré dit. Seigneur, donne-moi le visa. Mais je n'avais pas d'argent. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, donne-moi le visa. Je n'ai aucun passeport. I don't have any passport. Je n'ai pas d'argent. I don't have Mais le visa que tu demandes, c'est comment? The visa you ask me for, how is it going to come? Mais le jour où je suis allé demander le visa, but the day I went to ask for a visa, je n'ai pas eu de problème. I didn't encounter On a refusé au grand musicien. They declined the musician. Mais moi, on m'a donné le visa. But I was accepted. Parce que j'avais la foi. Because I had faith. Alléluia. Amen. Et puis, écoutez très bien. Listen carefully. La foi. Faith. Quand tu as la foi. When you have faith. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas pleurer. Hein? It doesn't mean that you cannot cry. Tu peux pleurer. You can cry. Alléluia. Mais tu as la foi. But you have faith. La femme est cananéenne pleurait. The woman from the Canaan was and cried. Elle disait Seigneur. She was saying Lord. Je sais que. I know that. Le petit chien ne mange que la nourriture qui tombe de la table de leur maître. The small dogs eat crumbles that fall from their master's table. Jusqu'à ce que cette femme-là a obtenu quelque chose. That woman obtained something. Vous n'avez jamais vu. Have you never seen. Des femmes. Women. Qui n'ont pas de trompes, mais ils ont accouché. Des ovaires, ils n'ont pas, ils ont accouché. That don't have any ovaries, but they've given. They've mais ils commençaient à préparer même la layette avant même qu'ils tombent enceintes. They start preparing their nursery even before they fell pregnant. Vous n'avez jamais vu ça? Have you never seen it? Mais bien aimé, si Dieu peut faire ça, Beloved, if God si la parole de Dieu peut faire if ça, the word of God il peut that, encore faire beaucoup plus. You can also do more dans ta vie. In your life. Alléluia. Amen. Quand nous étions arrivés dans ce pays, qui savait qu'on allait revenir? This country, who knew we'll have our leave to remain? On était là les demandeurs d'asile. We were seeking asylum. Quand on regardait la fenêtre, on avait peur. When we're looking out the window, we'll be afraid. Hein? Il y a des gens qui lisaient même des lettres en fouillant. Il a déjà fait les papiers. Il a fait ses bagages, il commence à fouiller. They're loading and prepare their baggages. They're ready to flee. Mais nous avons prié dans ces papiers. On ne prie plus pour les gens qui n'ont pas les papiers. We don't long have prayed for people that don't have their remains, but we used to pray for this. Parce que la Bible dit, because the Bible partout says, la plante de vos pieds foulera. Everywhere the soil Je vous le donnerai. Dans Ésaïe, il a dit ceci. Ce sont des versets, ce sont des paroles que nous répétions. Those are words that we repeat. Il dit, demande-moi. He said, ask me. Je te donnerai la terre pour possession. I will give you the earth et les extrémités de la terre pour héritage. And the end of the earth as heritage. La Bible dit ça. The Bible says, Donc on s'est tenu à ces paroles-là. So we held on to that word. Nous nous sommes tenus à cette parole-là. We hold on to that word. On a cru à cela. We believe in that word. Parce que c'est Dieu qui a dit. Because it's God that said. Mais bien aimé, à moins que tu serves Dieu d'une manière hypocrite. Beloved, unless you're serving God in a hypocrite way. Mais si tu serves Dieu, le véritable Dieu. If you serve the true God. Et que tu n'as plus de péché. And you don't longer sin. C'est vrai, on n'a plus de péché. It's us we don't longer have any sins. C'est vrai. It's true. Alléluia. On n'a plus de péché. We don't longer have Moi, sins. Je n'ai plus de péché. I don't longer have any sins. Pourquoi? Je vais vous donner la différence Why? Entre commettre le péché et avoir le péché. Parce qu'il y a la différence entre avoir le péché et commettre le péché. C'est-à-dire, moi, je suis là, je ne marche plus dans le péché. It means I am here. I'm no longer je ne suis pas là pour mentir les gens. Je ne mens pas. Moi, les mensonges ne sortent pas de ma bouche. Lies that do not come out of my mouth. Même quand lorsque je fais le monde pour les gens, j'ai dit je ne le ferai plus jamais. Even when I make stories for people to seek asylum, I don't longer do. Alléluia. Amen. Jamais. Never. J'ai quitté ce niveau-là. Vivre dans le péché, c'est-à-dire que où tu es en train de voler secrètement. Where you are secretly stealing. Tu voles secrètement. You're secretly tu dribbles les gens secrètement. You're secretly c'est ça ce qu'on appelle le
vivre dans le péché, pratiquer le péché. Practicing sin. Mais il peut arriver que le péché arrive. It comes par inadvertance, come. Tu commets le péché. In error, c'est ça un enfant de Dieu. That is a child of God. Un enfant de Dieu. Et puis quand il commet le péché, and when they commit a sin, il n'est pas à l'aise. They're not at peace. Il n'est pas tranquille. They're not at peace. Il cherche toujours à confesser cela. They are seeking to confess. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. All things are past. Ce qui t'est poussé à commettre le péché. Push it to si tu marches avec Dieu, if you walk with God, tu ne peux pas commettre le péché. Jamais. Do not commit sin, never. En fait, tu peux commettre le péché par inadvertance, you can commit mais tu a ne sin peux pas vivre mistake, dans le péché. But you cannot live in sin. Mais il y a des choses qui se plaît. But there are people that complain, à vivre dans le mal, so à vivre happy, dans le mal, à vivre dans le mal, lying to people. Quelqu'un, il te dit, someone can say, oh, brother, where are you? I'm in Tesco. Il est encore à la maison. But they're still at home. Alléluia. Mensonge. Lies. Mensonge. Lies. Et la Bible dit que tous les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Et ça t'écoute quoi de dire la vérité à ton frère? J'ai la foi. Même si c'est fâche, je sais comment les calmer. You say it. You say even if they're angry, I know how to calm them. Ça t'écoute quoi de dire la vérité à ta femme, à ton mari, à ton mari? Pourquoi? To your husband, to your wife. Vive cache-cache. You just want to live a hidden life. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. You don't believe in the word of God. Et par conséquent, tu ne veux pas un fils d'Abraham. And consequently, you're not a son of Abraham. Pourquoi tu peux dire que tu es un fils d'Abraham? How tu mens ta maman, tu mens ton père. You lie to your mom or dad. Tu crois aller à l'école, mais tu n'es pas parti à l'école. You tu say you're not going to school, but you're not going to school. Girlfriend, tu es en train de mentir. You're lying. Double péché, tu vas mourir double avec sin. Le péché. You're going to die, you say. Il faut quitter ça. You need to leave that. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse que je fais, ok? It's a bracket, I mean. Il faut quitter ça. You need to leave it. Mais bien aimé, comprenez que tu peux mourir. La you mort you can die. Est notre ennemi. Death is our enemy. Intime. Intimate dis que la mort est l'ennemi intime. Say death is my intimate enemy. Speak. La mort est l'ennemi intime. Death is my intimate enemy. Ce n'est pas que tu es en train de confesser pour que la mort arrive. Même si tu ne confesses pas ça. Even if you don't confess it, ça va venir. It will come. Que tu veuilles ou non. Whether you like it or not. La mort est un ennemi intime. Death is an intimate enemy. La Bible dit ceci. The Bible says. Il faut bien lire la parole de Dieu. You need to read the word of God well. Jonathan, la Bible dit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. That will be destroyed. Tous les ennemis seront détruits, mais all le dernier, will be destroyed, but the last one, c'est la mort. The last enemy will tous be les ennemis que tu as là, tu peux les détruire. All the enemies you have, that you can destroy. Tu ne peux même pas détruire la mort. La mort, but là, you destroy tu peux empêcher que la mort arrive, mais tu ne peux pas les détruire. Come, but you cannot destroy it. Never. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Lorsque, simplement lorsque Jésus remettra le pouvoir à celui qu'on appelle Dieu, afin God que Dieu soit tout en tout. Vous comprenez God, ça? Afin que Dieu soit tout en tout. Lorsque Jésus-Christ va remettre le pouvoir, parce que c'est celui qui avait vaincu la mort. He's the one that conquered him dead. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ici que we understand here. Si tu marches avec le péché, tu peux mourir. If you walk with sin, you can die. J'ai donné le témoignage. On va finir par là. J'ai donné le témoignage lorsque j'ai enseigné à la, sur le YouTube là. When I was preaching on YouTube, un frère est parti. A brother went. Il a commis le péché avec une sœur. He committed a sin with a sister. Commis le péché. Committed a sin. La fornication. And fornication. Et le frère était zélé à l'église. And the brother was zealous in the church. On pouvait le voir dans la chorale. On pouvait le voir à l'intercession. On pouvait le voir partout. Il était là toujours. Un frère, vraiment. Tu vois le frère en qui on ne peut même pas trouver des reproches. Hein? On ne peut pas reprocher. On ne peut pas trouver des erreurs. Il était là, un homme zélé, un homme gentil. Tout le monde l'apprécie. Everybody appreciated him. Il a commis la publicité. He committed a en sortant de là où il venait de commettre la publicité. Coming out of that, il a commis un accident. He had an accident. Il est mort. He died. Tout le monde disait, ce frère était bien, que son âme repose en paix. Tout le monde, non, vraiment, il était zélé à l'église, il servait Dieu, il était comme ça. Tout le monde appréciait ce frère. Everyone was giving good words about that brother. La sœur avec qui il commettait le péché. And the sister in which that he committed the sin with. Cet homme ici, elle allait en enfer. Pourquoi tout le monde appréciait? This man is going to go to hell. Alléluia. Amen. Comprends que understand. Ce que tu es en train de faire what you are t'amènera en enfer.
and lead you to hell. Alléluia. Amen. Si tu as des oreilles pour écouter, if you have ears to listen, listen. Mais la foi, mes bien-aimés, but faith, beloved, tu peux attirer le chose que tu désires. You can attract things that you si desire. Tu veux devenir une very, en fait, un grand nurse, if you want to become si par exemple tu crois à quelque chose, il y a une personne qui croyait, il dit, je fais le nursing, après ça je ferai la médecine, je fais, said, et puis j'arrive à arriver là-bas. This, et il est arrivé. I'm going to get it and she got there. Alléluia. Amen. Comme notre maman qui est là-bas et dit, voilà, comme, comment on appelle ça? Recteur. Recteur. Recteur, c'est le président, en fait, le chef de l'université. Or the head of university. On appelle ça, c'est recteur, non? Ah, non, c'est recteur, oui. Non, recteur, c'est, tu vas à l'université. University. Le, comme Caledon University. For example, Caledon University. C'est lui qui est au top niveau. So the head of university. Voilà, c'est celui qu'on appelle le recteur. Okay, the head of university. Une maman congolaise. A Congolese woman. Elle avait simplement la foi. She simply had faith. Alléluia. Amen. Elle dit même qu'elle a travaillé ici au Refugee Council. She even worked in Peut-être refugee on l'envoyait même là-bas. Mais jusqu'à ce qu'elle est devenue recteur. But now she's the head of university. Si tu crois simplement, believe, tu verras les choses. You will see things. La foi, c'est ça. Crois to believe, et tu verras. And you will see. Jésus-Christ a dit, Jesus Christ said, crois, believe, tu verras. Believe and you will see. Si tu crois simplement, tu attires les choses. Believe, you attract tu démontres des choses. You demonstrate Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. God does not like si tu, n'es pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir quelque chose if de la part you de Dieu. Faith, you cannot obtain mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, réveille ta conscience. Awaken your conscience. Vois comme si tout est rien. When everything, amen. Vois comme si tout est rien. Oh, see as if everything is nothing. Marche par la foi. Walk by faith. Et quand tu marches par la foi, and when you walk by faith, tu verras que Dieu te donnera la victoire. You find God will give you victory. Élie était un homme de la même nature que nous. Elijah was the same man, was a man of the same nature. La foi, c'est croire et Dieu fait le reste. Faith is to believe and God does the rest. Comme on a parlé avec Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Abednego. Ils étaient devant les obstacles. Un obstacle terrible. Et on leur a dit de s'agenouiller devant la statue. They told them to bow down before a statue. Ils ont refusé. They refused. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. They said we cannot do this. Il n'y a que devant Dieu que nous pouvons nous s'agenouiller. It's only before God that we can bow si down. Si toi aussi on te dit, tu vas t'agenouiller devant la reine, sinon on va te retirer des papiers. You need to bow down before the queen, or else we're going to invoke your stay. You're going to say, oh no, I'm going to go back. Laissez-moi faire ça. You say, let me just bow down. Mais ils ont refusé devant le roi. Before the king. Écoute, devant, d'abord, quand le roi leur a posé la question, when the king asked them a question, il dit, est-ce que c'est d'une manière délibérée que vous êtes en train de refuser mon ordre? That you are refusing my order? Écoute leur réponse. Listen to their answer. Ils ont dit, le roi, they say, king, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. We don't need to answer you on that. Car nous savons que notre Dieu, for we know our God, il peut nous sauver de la flamme. Can save us in fire. De la flamme ardente. In a furnace fire. Dit ceci. The Bible tells quand ils sont entrés là-bas, when they went into the furnace, Dieu a écouté ces gens-là parler. God heard those people speak. Il a écouté Shadrach, Meshach. He heard Shadrach. Ils avaient déjà confessé. They already confessed. Que lorsqu'ils iront là-bas, Dieu viendra les délivrer. God will come to et lorsqu'ils sont, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, when they were thrown into the la Bible nous dit fire, ceci, the Bible tells us, qu'il y avait une quatrième personne. There was a fourth Dieu person. Est venu les secourir. God came to save them. Mais bien-aimé, il n'y a aucune situation qui peut te nuire si tu as la foi. Beloved, there's no situation that can ruin you if you have faith. First, we need to deuxièmement, il faut attirer. Second, you need to attract. Ne vis pas par la vue. Do not just live by ne crois pas ce que les autres disent. Non, it's not believe what men tell you, or it's always just like this. Ça n'existe pas dans la foi. It's like this. It doesn't exist in faith. Que non, la loi c'est comme ça. Or the law is like this. Non. This is how it's done. Il faut dire que non, ça ne se passe pas comme ça. You need to say no, it's not done that way. Tu peux aussi créer pour toi-même. You can also create. La foi c'est créer toi-même. Faith is creating yourself. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. You need to have faith. Mais avoir la foi, but to have faith, c'est ce que je viens de dire, croire à la parole de Dieu. To believe car in the la word foi, of God. C'est la parole de Dieu. For the word la of God foi vient faith, de la parole de Dieu. Because faith comes si to the tu word of God. Es full, je ne dis pas la parole de Dieu, tu lis comme un journal. I'm not saying to read the word of God. Mais la parole de Dieu que tu comprends, but tu the word saisis. Of God you understand, you sees. Le jour où je lis, the day that I read, je lisais ceci. I said, les gens qui ont des maisons,
people that have houses, qui ont beaucoup d'argent en banque, that have a lot of money in their bank, ils pensent qu'ils resteront avec ça pour toujours. They think they're going to remain with all these things forever. Et la Bible dit, si vous lisez dans le livre de Psaume, chapitre 49, vous allez voir ça. In chapter 49, 49, il dit des choses terribles. 42, it tells you things. Vous n'allez même pas aimer le monde. You even like the world. Étudiez ça. Study. Les gens pensent qu'ils auront les choses dans ce monde ici. People think they will ils vont vivre éternellement. Lisez ça, dit que ça va partir tout. All of this will toutes go. Ces choses vont rester. All this même will par un seul iota, vous n'allez pas amener ça. Not even one person will take. Même par un seul iota. Not even one ça penny. Va rester. It will all les stay. Enfants que tu aimes. The children that la you love. La femme que tu aimes. The wife that you tu love. Tu trouves que non, elle est, je ne sais pas comment. You find her la maison way. Que tu as. The house that you have. Tu resteras. It will all remain. La Bible va s'accomplir. Les gens qui n'ont pas les gens qui n'ont pas construit des maisons habiteront dans les maisons que toi tu as construites. The people that have no built houses, they will live in the house that you built. Alléluia. Amen. Parce que ceux-là auront la foi, mais toi tu because then they will have faith. You il faut avoir la foi. You need to have faith. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Merci beaucoup. On se tient debout, on va prier. Let's stand up and we'll pray. Maintenant, on va exercer la foi. Now we're going to exercise our faith. Il faut exercer. Il faut pas simplement confesser la foi. Do not just confess. Your faith, you need to exercise it. Mais il faut exercer you need la to foi. Exercise your faith. Tu exerces. Exercise. La foi, ça s'exerce. Faith is exercised. Comme les gens de la Bible as the people ont exercé the Bible, la foi. Nous devons aussi exercer la foi. We also need to do the same. Parce que nous croyons que nous sommes sauvés par la foi. Because we think we are saved by faith. Et même la, le salut là. Even salvation. La Bible dit ceci. The Bible says, c'est par la grâce nous sommes sauvés au moyen de la foi. Il y a toujours un moyen. La by, foi est toujours là. Même dans le salut de l'homme, il y a toujours even la foi. Salvation of men, nous sommes faith. Sauvés par la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Through faith, afin que personne ne se glorifie. And not for no one to glorify et c'est que nous devons comprendre aussi. What we need to understand. Dieu a préparé déjà toutes choses. God's prepared everything. Pour chacun de nous par des promesses qu'il a faites. C'est à nous maintenant de nous en accaparer. C'est à nous d'être ici. Quand vous lisez dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, et quand vous lisez le verset 10e, il dit que Dieu a préparé des bonnes choses pour que nous puissions avoir ça, pour que nous puissions pratiquer ça. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Donc Dieu a déjà fait tout toujours. C'est tout ce que toi tu es en train de chercher. Et ça va déjà voilà. C'est déjà là. Tout ce que tu cherches everything that you're seeking for est là. Is there. Mais appelle ça simplement en simply call it into existence. Parce que Dieu a appelé en existence des because choses God qui n'existent. Dans les livres de Romains chapitre 4, lisez Romains chapitre 4, 4 à partir du 16e verset jusqu'au 22e. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. You see what I'm talking about. Amen. Amen. Donc, les choses qui n'existaient pas, you attract it into existence. Tu amènes cela en existence. You bring it en confessant simplement, en attirant cela. By simply attracting it. En rappelant à Dieu sa parole. By reminding God his parce word. Que lui ne ment pas. Because rappelle he à Dieu lie. Sa parole. Dis remind Dieu, God tu as dit comme God. Ça. Say, God, you say et this. Je voudrais avoir tel. Like je voudrais faire ceci. Seigneur, like je voudrais. Lord, Dieu va te donner God will give you les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit the Bible il faut says, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. The one that comes near God needs to et qu'il le rémunérateur de ceux qui le recherchent. And the rewarder of those that seek him. Et la foi, mon frère. Have faith, beloved. Nous devons avoir la foi. You need to have faith. Nous pouvons être dans le monde pendant plusieurs années, for many years, mais nous allons échouer si nous n'avons pas la foi. But we'll fail if we do not have faith. Or Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Whereas God did not create you to fail. Ah, il faut mourir une mort heureuse. You need to die a happy death. Alléluia. Amen. Une mort heureuse. A happy death. Alléluia. Amen. Kumisaman sanzolaman yunzambe na biso Yahweh zambe kumisaman Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Ce que j'aimerais que tu pries. What would I like to pray for? Dis, Seigneur, remplis-moi de ta parole. Say, Lord, fill me with your word. Je ne dis pas ici simplement avoir la connaissance de la parole. Not just the knowledge of the word. Mais que Dieu te remplisse de la parole. May God fill you with his qui va créer en toi la foi. That's going to create in parce you que la foi ne vient que de la parole de Dieu. Because faith only comes from the word of God. La parole a dit tellement de choses the word has said so many qui things sont invisibles that are invisible que nous devons amener à l'existence. That we need to bring into existence. Et la parole de Dieu est oui et amen. And the word of God ce sont des oui et amen. Is yes and amen. Donc elle ne ment pas. It does not lie. Elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. It will come to pass. Alors nous sommes en train de prier. So we are praying. Dis, Seigneur, je voudrais la foi. J'aimerais que tu pries. Lord, I would like commence faith. À demander, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, remplis-moi de la foi. Fill me with faith. J'aimerais avoir la foi. I would like to have la foi faith. Qu'avait Abraham. La foi Abraham qu'avait has. Isaac. La foi Isaac qu'avait Jacob. Jacob. La foi qu'avait Samson. La foi qu'avait David. Seigneur, aide-moi, oh Dieu. Lord, help me. J'aimerais avoir la foi, Seigneur. Lord, I would like to have faith. N'est-il pas écrit dans ta parole? That it is written si vous avez in la foi comme ces graines de s'élever, if you have faith, vous diriez like à cette montagne, envoie-la et jette-la dans la mer. Move from that elle move. Se fera. That's Seigneur, it. Je t'invoque dans le nom de Jésus. Lord, donne-moi la foi au give Dieu. Me faith. Tu es en train de prier, je t'écoute prier. Seigneur. Seigneur, la foi qui amène des choses à l'existence. Le visible. L'invisible devient visible, oh Dieu. Je t'invoque dans le nom de Jésus. Prie, mon frère. Il faut que vous la bonne là. Kondi manayo moko, c'est ta foi à toi. Sur ta parole je marcherai, sur ta parole je jetterai, j'aimerais avoir la foi au Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Quand je suis rempli de ta parole, Seigneur, je peux avoir la foi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Aide-moi, oh Dieu. Mmh.
Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Now going to pray. Tu vas briser cet esprit de doute en toi, spirit of doubt in qui amène les doutes en toi. That brings doubt. Donc, au bon de la, dis à Dieu, you're going to pray and say to je God, suis en train de refuser les doutes. I refuse je doubt. Refuse les doutes dans ma vie. I refuse doubt je refuse tout ce qui crée les doutes en I moi. Je crois fermement doubt. À ta parole. C'est ce qui va créer la foi en moi. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je rejette les doutes maintenant. Je repousse les doutes. Je repousse les doutes. Je repousse les doutes. Dans le nom de Jésus-Christ, toute puissance des doutes, tout ce qui crée les doutes, je le repousse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, les doutes, alléluia, qui vient m'empêcher à obtenir ce que je veux, je vous résiste maintenant. Je vous profite dans les liens arides. Au nom de Jésus-Christ, doute quitte maintenant. Quitte dans la vie de quelqu'un ici. Quitte dans la vie de mes bien-aimés. Quitte dans la vie de, du peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus, toi, doute, je te chasse. Je te déloge. Je te propulse dans les liens arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Will be called a house of prayer. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Maybe you need something. Commence maintenant à prier. Parce que nous sommes là, Dieu va écouter ta prière. God, we are here. God, prie pour toi-même. Prie pour tes enfants. Prie pour ta femme. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier maintenant. Personne autre ne priera pour toi. No prie pour tes désirs. Prie pour tes problèmes. Tes difficultés. Ce qui est en train de s'abattre dans ta maison. Commence à implorer Dieu. Prie mon frère. Bondela. Tu es en train de prier. Ne prie pas derrière mon micro, mais tu es en train de prier. Aux abords de là. Je voudrais t'écouter prier. Dis Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. J'ai besoin de cela au nom de Jésus.
Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you. Je prie particulièrement pour ton serviteur, le pasteur Daniel à l'hôpital. Pray particularly for your servant, Pastor Daniel. Mon Dieu, c'est toi qui es le Dieu qui guérit. Lord, you are the God that heals. Il est ton serviteur. He is your servant. Il devait être en ce lieu avec nous. He's meant to be here. Pour glorifier ton nom. To glorify pour magnifier ton nom. To magnify Seigneur, nous implorons ta grâce. Lord, we implore your que grace. Dans un laps de temps plus bref. Que ton serviteur puisse marcher, puisse être guéri, qu'il sorte de l'hôpital et qu'il nous rejoigne afin qu'ensemble nous fassions ton œuvre, oh Dieu, comme nous en avons l'habitude de le faire. Oh Dieu, nous sommes en train de t'invoquer, Seigneur. Mon Dieu, descends maintenant là où ton serviteur se trouve, oh Dieu. Nous sommes réunis en ce lieu. Nous voulons que tu touches son corps. Nous voulons que tu touches son corps. Mon Dieu, nous voulons que tu touche Lord, dans le nom touch, de Jésus et que le pasteur Daniel soit complètement libéré, guéri et qu'il sorte de l'hôpital au nom de Jésus. Notre désir, Seigneur, c'est de voir ton serviteur dehors de l'hôpital. Seigneur, nous voulons voir ton serviteur aller à la maison. Seigneur, rejoindre ses enfants et sa femme. Rejoindre l'église. Seigneur, que tu as confié la responsabilité. Nous te supplions, Dieu. Viens, Éternel de notre Père. Soutiens ton serviteur. Agis et touche son corps. Touche son corps. Tous les systèmes, c'est un circulatoire, respiratoire. Sois rétabli au nom de Jésus. Et qu'une grâce particulière nous soit accordée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons demander à l'évangéliste Patrick de prier pour les offrandes avant que nous puissions nous asseoir. Et nous allons donner nos offrandes. On nous prépare les paniers. Prepare our baskets. Panier des offrandes, nous donnons nos offrandes. Et il prie et ensuite il nous anime à un chant pour donner nos offrandes. Seigneur notre Dieu, Lord our God, tout ce que nous avons, everything that we have vient de toi, notre Père. Comes from you, our Father. C'est pourquoi cet après-midi, that's why this afternoon, nous voulons t'adorer want to worship par nos offrandes, notre Père. By your offerings. Éternel notre Dieu, Lord our God, laisse que, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes, notre may Dieu, you bless these offerings, et que ta grâce repose dans notre vie, may your grace rest in afin our lives, que nous soyons prospères à tous and égards. To prosper in every dans area, le nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus, nous avons ainsi prié. As we so pray. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus Christ. Attends-nous un chant, évangile, comme ça on va donner nos offrandes. Avec, je crois que. Voilà. Kumbamae, kolo Yesu e kumbama. Kumbamae, mwana na zambe, kumbama na yo. Kumbamae, kolo Yesu e kumbama. Kumbamae, mwana na zambe, kumbama. Kumbamae. Yesu e kumbama, kumbama e mwana na zambe, kumbama na yo. Kumbama e, kolo Yesu e kumbama, kumbama e mwana na zambe, kumbama. Kumbama e. Kumbama e, kolo Yesu e kumbama. Kumbama e, mwana na zambe. Maserati kopana basili kebika e kumbama kumbama e mwana na zambe kumbama na yo kumbama e kolo Yesu e kumbama kumbama e mwana na zambe kumbama oh Yahweh na bimele Yahweh sanzolama oh Yahweh na bobo doro sanzolama Yahweh Yahweh sanzolama Yahweh na bobo toro sanzolama oh Yahweh na bibele Yahweh sanzolama oh Yahweh na bobo toro sanzolama Yahweh na bibele Yahweh sanzolama Yahweh na bobo toro sanzolama oh ya solo to kobenga maseko banana zambe ya solo to kobenga maseko banana zambe oh ya solo to kobenga maseko banana zambe ya solo to kobenga maseko banana zambe oh nkolo Yesu ere yo mbe zambe na biso oh nkolo Yesu ere yo mbe zambe na biso Zambere yonde bisoto leliyo Kolo Yesu e yonde Zambere biso
Yesue yo ne zambe na biso. Kolo Yesue yo ne zambe na biso. Omo na zambe re yo ne biso tole li yo. Kolo Yesue yo ne zambe na biso. Kozali mosantu masia e Yahweh bumama libe la zambe na bomo imosato kumama. Kozali mosantu masia e Yahweh bumama libe la zambe na bomo imasia. Oh Kozali mosantu masia e Yahweh bumama libe la zambe na bomo imosato kumama. Kozali mosantu masia e Yahweh bumama libe. Oh, fin de notre culte, mais nous voulons simplement rappeler à tous les hommes. Nous avons notre assemblée générale aujourd'hui. We have our assembly general today. Et ça va se passer sur les Zoom. It will happen on Zoom. Et nous commençons à 19h. Président, n'est-ce pas? It will start at 7 p.m. Voilà, nous commençons à 19h. Si tu es papa, if you are a man, pas papa simplement, si tu es un homme, if you are a man, parce que Jonathan est un homme. John is a man. Isaac est un homme. Isaac is a man. Ah, parce que... Alléluia. Ce sont des hommes. They are men. Parce que quand quelqu'un a déjà dépassé 18 ans, c'est un homme. When someone is over the age of 18, they are a man. Donc, il ne faut pas te disqualifier. Ils sont des hommes. Do not disqualify yourself. Alors, nous allons nous retrouver sur le Zoom aujourd'hui. We'll meet on Zoom tonight. À partir de 19h. From 7 p.m. Hein? Shadrach, bientôt tu seras un homme. Hein? Shadrach. Okay. Oh, Shadrach a 18 ans. 19 ans même. C'est un homme. He's a man. Oh. C'est un homme. He's a man. Oh. Qu'est-ce que vous racontez les histoires comme enfin, écoute, quand vous écoutez les informations, on dit qu'un homme de 18 ans, on a tué quelque part. Un homme de 22 ans, on a tué. On dit ça. On dit un man. On dit souvent. C'est comme ça. Vous voulez discuter parce que vous le voyez comme les enfants simplement. Ils resteront. Vous confessez les enfants, ils resteront enfants. If you confess as children, they will remain children. Non, confessez que c'est un homme. You need to confess that they are men. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, on se retrouve là à 19h. We'll meet at 7 p.m. Nous demandons à tous les papas d'être là. Et nous sommes en train de demander aussi à tout le monde de faire un effort. D'entrer à la prière que nous faisons à 21h pour l'homme de Dieu. To take part in the prayer that we do at 9 p.m. Nous avons dit que nous allons finir lorsqu'il sortira. Il sortira bientôt. We'll stop once he's out of the hospital. Mais il ne faut pas faire faillite en cours de route. Do not let go. Ne fais pas naufrage par rapport à cela. Nous continuons à prier. Je vis que le nombre a tellement baissé. The numbers of people hier, on était simplement à 18. There's now only 18 people. Mais sois là. Be there. Peut-être c'est même pas toi qui dirige. Quelqu'un d'autre va te diriger. Hein? Sois là, prie. Simplement un mot, Seigneur guérit le pasteur. Simply one word, say, c'est bien. Lord, heal pastor daily. Écoute maintenant, nous allons faire ceci. We're going to do. Quand tu veux manger. When you want to eat. Dis Seigneur, je bénis cette nourriture au nom de Jésus. Lord, I bless this food. Souviens-toi de ton serviteur pasteur. Remember your servant pastor daily. Et guéris-le au nom and de Jésus. Heal him in the name of Amen. Jesus. Donc, Amen. Quand tu veux manger, fais aussi cette when prière-là. When you want to eat, do this prayer as well. Everything simplement counts. Ça. Alléluia. Amen. Bon, on va finir là. We'll si tu veux manger, fais-la. Donc, prie comme ça. Avant de manger, tu fais cette prière-là. Donc, ta prière de nourriture-là, et avant de finir, prayer, tu dis aussitôt comme va passer d'ailleurs. Nous voulons le voir dehors. Alléluia. Like bon, on va finir ici. We'll finish here. Zambé malamou. Zambé malamou. Zambé malamu, malamu e malamu, zambé. Zambé malamu, zambé. Zambé malamu, zambé malamu, malamu, malamu.
malamu Zambe yo malamu Zambe malamu Malamu e malamu Zambe Zambe malamu Zambe Zambe Bénis tout ton peuple. Bless all your people. Seigneur, tout ce qu'ils feront cette semaine, Lord, everything that they will do this week, soit une réussite totale. Be a success. Bénis les enfants, bless bénis les papas au travail, bénis les mamans au travail, bénis notre Dieu les enfants. Seigneur, même ceux qui vont arrêter les cours pendant cette semaine, que tu le bénisses leur séjour à la maison, ceux qui vont aller en vacances, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la journée des papas aujourd'hui, bénis tous les papas, donne-leur toutes les potentialités dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, ce soit chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne journée dominicale.